Bonjour à tous. Là, vous avez peut-être compris qu'est-ce qui se passe dans la vidéo juste en lisant le titre, mais sinon, laissez-moi vous expliquer. Dans le fond, je fais une expérimentation. Je veux voir si je vais me sentir mieux en mangeant seulement des légumes ou en mangeant seulement de la viande. Fait qu'est-ce que je vais faire pour tester ça, c'est que la première journée, le jour 1, je vais manger seulement des légumes. Mais quand je dis seulement des légumes, c'est seulement des légumes. Puis je vais pas boire autre chose non plus. Là, t'sais, la seule chose que je peux boire, ben, c'est de l'eau. T'sais. Parce que ça donne à rien de manger juste des légumes. Puis pour ça, tu te cales un café, tu te cales un Pepsi, tu te cales une bière. Ben là, ça marche pas. Là. Fait que juste de l'eau, puis des légumes. Puis la deuxième journée, je vais manger juste de l'eau. Je vais boire juste de l'eau, puis manger de la viande. Mais juste de la viande. Comme vraiment juste de la viande. Je sais pas si vous comprenez, là. Juste des légumes ou juste de la viande. Là, il y en a qui vont me dire, oh, mais Sam, tu vas manquer de nutriments quelque part. Et oui, oui, c'est ça. Mais le but de ça, c'est de checker lequel est le pire. Message important. Une alimentation qui constitue seulement les légumes ou seulement de la viande ou seulement les fruits, etc., c'est pas une bonne alimentation. C'est pas une alimentation qui est équilibrée. Ok, donc c'est à déconseiller. J'ai fait une petite recherche rapide. Manger seulement des légumes. Ça t'apporte pas assez de calories pour subvenir à tes besoins dans une journée. Bon. Fait que si tu fais ça sur plusieurs journées, ça finit par manquer de calories, manquer d'énergie. Ça peut même porter à une perte de masse musculaire étant donné que tu manques de protéines. Ce qui fait du sens, y a pas beaucoup de protéines dans les légumes. Puis manger seulement de la viande, c'est pas mieux parce que tu manques de nutriments, tu manques de calories, tu manques de glucides, c'est-à-dire de glucides, de lipides, parce que souvent dans la viande, il y a surtout des protéines. Il y a un peu de lipides, mais il y a surtout des protéines. Tu sais, ton cerveau, là, il a besoin du glucose, lui, pour virer. Fait que ton glucose, là, tu vas le chercher dans tes fruits. Fait que mange-la ta banane, ok? Bon. C'est tout ce que j'avais à dire. Faites pas ça, dans le fond. Moi, je le fais, j'étais un peu calon, là. C'est ça. Donc, sans plus attendre, passons tout de suite à la première journée, là, la journée où j'ai juste mangé des légumes. C'est quoi que je mange? Pour déjeuner, c'est quoi que tu manges pour déjeuner? Juste des légumes, c'est quoi que tu es supposé manger? Un avocat c'est un légume, hein? Un avocat c'est un légume, hein? Ouais. Je peux manger un avocat. Avocat avec des brocolis. Moi je pensais de manger des avocats, mais c'est un fruit. En plus, je check la signification. Viens d'apprendre de quoi, là, hein? Moi et tout. Fait que là, qu'est-ce que j'ai fait, c'est que je m'ai mis des champignons, des oignons, puis un peu de piment. Puis là, je les ai fait cuire parce que je me dis, tu sais, au déjeuner, il me semble que ça passe mieux si c'est cuit, là. Ça, je me dis, un piment en frette, là. Pas sûr, non, pas sûr. Là, il va juste rester à savoir si ça va me remplir, puis si ça va me soutenir. On verra. Bon, fait que là, ça fait juste 2 heures à peu près que j'ai mangé. 2 heures ou 2 heures et demie, là. Là, j'ai déjà faim pas mal. Ça veut peut-être dire que les légumes, ça soutient pas assez, ça fait du sens. Fait que là, ma mère, hier, avait fait des courges spaghetti, comme là. Je sais pas si vous connaissez ça. Fait que je vais prendre ça, je vais mettre des légumes dedans. J'ai rajouté un peu d'épinards parce que je trouvais que ça manquait de verdure. Tu sais, la vitamine K, c'est important. Fait que, à date, ça va bien. Pas de manque d'énergie, tu sais, ça roule, là. Je sais juste que je suis pas plein, là. J'ai comme tout le temps faim, là. Tu sais, ça fait juste une couple d'heures que je suis réveillé, mais comme, ma faim part pas, là. Mais j'ai confiance qu'en mangeant ça, ça va aider, là. C'est quand même, courge spaghetti, c'est quand même consistant, là. J'ai l'impression que ça va aider. Bon, fait qu'une petite update du souper. J'ai décidé de me faire une assiette, de tomates avec de la laitue. Mais je trouvais que ça me prenait quelque chose de frais comme légumes, tu sais. J'avais juste mangé des légumes cuits pour la journée. Là, vous allez me dire, ah, oh, mais la tomate, c'est un fruit, c'est un. Gars. Ah, tout le temps bon, une bonne petite salade. Chacun. Ça, en plus de ça, je me suis rajouté à mon sucre concombre. Moi, je mange jamais de viande, mais là, il me semble que j'en mangerai là. Fait que là, on est maintenant rendu à l'heure du souper. Checker qu'est-ce que mes parents ils se font pour souper. Ça me tentait pas trop de manger des légumes crus, genre des tomates pis de la laitue comme tantôt, fait que j'ai fouillé un peu, j'ai trouvé de la fougère. Et là, je suis bien content. Ben, ben content. Hey, je viens de réaliser là, que des patates, là, c'est un légume. Là. Attends, là, c'est toutes les frites congelées que t'as achetées? Oui.
Puis t'as mis de l'huile? J'ai pas ajouté rien. J'ai tiré ça dessus, c'est ça. Il y a assez d'huile. C'est-tu légal? Je peux te faire ça? C'est-tu légal? Je peux te faire ça? Moi, je le ferais. Fait que j'ai juste mangé 2-3 fries, là. J'ai pas succombé à la tentation parce que, tu sais, c'est un légume, c'est une patate, mais en même temps, c'est pas un légume, là. Tu comprends ce que je veux dire? Je trouvais que c'était triché un peu, fait que j'ai mangé ma fourrée, là. Content parce que, tu sais, c'est comme un légume qui se mange cuit. Fait que, tu sais, c'est bon de même, là. D'habitude, un piment, mettons, juste un piment cuit, c'est comme... C'est bon des recettes, mais tout seul non, mais ça c'est bon cuit, fait que ça fait comme un lunch, un repas, même s'il y a juste un ingrédient, tu sais. On passe maintenant à la journée où je n'ai seulement mangé que de la viande. Ok, moi être bien honnête, ça me tente pas pendant tout. On a comme pas vraiment de saucisse, déjeuner, bacon, rien de ça, tu sais. Mais j'ai des pepperoni. Je vais manger ça. Là, c'est important de prendre en note. J'ai mangé 2 fois de la viande depuis janvier. J'espère que mon corps va survivre à ce choc. Je trouvais que c'était pas assez juste du pepperoni pour déjeuner, fait que je me suis fait une petite boulette de porc que mon père a fait pour souper hier. Puis aussi, j'ai une autre théorie, parce que je me suis levé avec un petit mal de tête. J'ai l'impression que mon corps est en train de me dire « Hey, le big, mange de quoi là? Tu manques de quoi là? S'il manque de nutriments, il manque de quelque chose, tu sais. » Fait que pour combler au manque de protéines, j'imagine, puis de gras, puis de calories, ben là, je vais manger de la viande. Fait que j'ai l'impression qu'en mangeant de la viande le matin, ça va m'aider un peu. Pour les premières heures de la journée, en tout cas. On verra. Donc voilà, deuxième partie du repas, une petite boulette de porc. Mais je pense que je vais me tanner, là. De la viande, là. Je pense que je vais me tanner vite. Pour dîner, j'ai une idée. Fait que j'ai pris le poulet qui est vraiment tendre, puis je l'ai mis sur le barbecue pour le faire qu'on me retire un peu. Moi, je pense que ça va être bon. Petit update sur mon déjeuner. Un matin, j'avais quand même raison, je pense. Tu sais, mon matin va bien, là. Je manque moins d'énergie, j'ai moins mal à la tête, on dirait. Mais tu sais, ça, c'est peut-être juste des biais. J'étais juste biaisé et tout, là. Là, il est rendu 5h. Bon, vous dire de quoi, je suis vraiment tanné de manger juste de la viande. Mais le fond, c'est que je suis tanné de manger de la viande, c'est que je suis tanné de me priver, tu comprends? Pour l'instant, pour une collation, je mange des tranches de jambon. On s'entend qu'il y a mieux comme collation, là. Ok, on cancelle tout, Je suis plus capable. Mais je pense que je vais me tanner, là. De la viande, là. Je pense que je vais me tanner vite. Pas dur, je suis plus capable. Non, je file pas bien, là. Je file correct, là. Je manque d'énergie, là. Je manque de jus, là, tu comprends? Tu sais, c'est très faisable, là. Mais là, j'en ai fait assez pour savoir c'est quoi l'effet. Fait que on arrête ça là, puis on file, là. On s'en va à la conclusion de cette vidéo. Merci. Fait que je tournerai pas autour du pot. À la question, lequel est le pire? Définitivement, les légumes. La raison pourquoi j'ai pas pu endurer de manger seulement de la viande, c'est parce que ça faisait 2 jours que je me privais, là. T'sais, je me privais de manger juste du pain ou juste comme des bananes ou quelque chose de différent, en fait. Là, j'étais plus capable. Le pire là-dedans, c'est de se priver. C'est pas de manger juste un aliment, c'est de se priver. Puis pourquoi les légumes, c'est le pire? Ben, voici ma comparaison entre légumes et viande. Mais premièrement, quand je mangeais seulement des légumes, ben, je manquais d'énergie, t'sais, je manquais de jus, et j'avais tout le temps faim, c'était pas assez, t'sais. Tandis que la viande, j'étais quand même assez plein. Bon, tu sais, ça me soutenait. Plus que les légumes. Deuxièmement, ben avec les légumes, j'avais comme un genre de mal de tête. Qu'avec la viande, j'avais pas. Puis je trouvais que j'avais beaucoup plus de craving avec les légumes qu'avec la viande. Pas juste je mangerais, mais comme je mangerais telle affaire ou telle affaire. J'avais des cravings d'aliments spécifiques. Tandis que j'avais pas ça avec la viande. Le seul point négatif, je pense, qu'il y avait avec la viande, c'est que c'était pas complet comme repas, t'sais. C'était juste parce que c'était juste de la viande, c'est ça, il manquait de quelque chose, t'sais, tu comprends? Honnêtement, la viande, c'est beaucoup moins pire. Ça m'a vraiment étonné que je trouve que manger seulement des légumes, c'est pire, étant donné que moi, dans la vie, je mange pas de viande. T'sais, je suis pas un amateur de viande, parce que c'est pas bon pour l'environnement, puis c'est pas bon pour ci, c'est pas bon pour ça, bref, ça, c'est un autre sujet. Mais en gros, si t'as à choisir entre les deux, choisis la viande. Mais, dans la vie de tous les jours, mange tes légumes.
On se comprend. Merci beaucoup d'avoir été là. Revenez-nous dimanche prochain, 5h. Parce que comme je l'ai mentionné dans mon podcast cette semaine, je vais faire une vidéo à chaque semaine puis je vais le publier le dimanche. Donc merci encore, merci infiniment d'avoir regardé jusqu'ici. Si t'es rendu là, c'est probablement parce que t'as apprécié la vidéo. Si c'est le cas, mets un like, oublie pas de t'abonner, ça m'encourage beaucoup. Mets des commentaires, dis-moi ce que t'en as pensé, puis écoute, tu peux partager aussi, ça m'aide aussi beaucoup. Voilà, c'est tout. Merci encore. Sans point. Toum, 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 toum.